Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer à travailler sur le programme éducatif fédéral. On va travailler sur le fair play. C'est quelque chose que vous adoptez bien. J'ai vu hier, par exemple, vous avez perdu à Canicheli, mais à la fin du match, vous avez tous serré la main, des joueurs adverses. Et vous êtes partis dans la bonne humeur. Aujourd'hui, on va travailler sur les bons gestes. C'est-à-dire, qu'est-ce que les bons comportements ou les mauvais comportements? Je vais vous donner un exemple. Si pendant le match, je dis à la fille que c'est, j'insulte l'adversaire, est-ce que c'est un bon ou un mauvais comportement? Mauvais. Un mauvais comportement. Donc il y a deux petits buts, vous voyez deux petits buts? Il y a un but qui est entouré en bleu et un but qui est entouré en rouge. Si c'est un bon comportement, on va tirer dans le but qui est entouré en bleu. Et si c'est un mauvais, en rouge. C'est la 9e ou 10e séance qu'on fait sur le programme éducatif fédéral. Je vais demander d'être concentré, je vais vous expliquer. Et après, on partira. Ok, à chaque fois, il y aura une question. Je vais vous demander de vous mettre par deux et venir avec moi. Allez, c'est parti. Je vous explique comment ça va se passer. Vous êtes par deux. Vous avancez toutes les deux. Continuez avec le ballon. Et vous devez faire des passes entre les pots verts. Allez, on fait une passe. Contrôle. Une passe. Contrôle. Une passe. Contrôle. Dans les pieds. On n'en passe aucun. Voilà, on revient. On fait la passe. Stop. Pendant que vous faites les passes, je vais vous poser une question. Par exemple, ici, la question, ça va être « Je dois respecter mes parents » ou « Je ne dois pas respecter mes parents ». Et vous allez choisir. Celle qui a le ballon va choisir le but où elle va devoir tirer. Celle qui n'a pas le ballon va venir avec moi faire autre chose. Tu as le ballon. Tu vas aller où? Je dois respecter mes parents. Vas-y. Tu as trois zones, tu vois. Plus que tu tires loin, plus que tu marques des points. Raté. Attention, elle peut aller ici, 3 points, ici, je vous écoute, 2 points, ici, 1 point, là-bas, 0. Quand vous avez frappé, vous revenez ici, il y en a, toi tu as le ballon, tu fais ton circuit. Allez, il y en a à côté, tu fais de la coordination. Ici, ramène. Tu fais ton circuit, vas-y. Allez. Et toi, tu fais la coordination. Voilà. Après. Continue, le tour des cerceaux. Voilà. Là tu passes entre les plombs mais jamais les coupelles rouges. Les coupelles rouges c'est interdit. Interdit de passer par les coupelles rouges. Et tu retournes là-bas et vous inversez les côtés. Tu retournes là-bas et vous inversez les côtés. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti! On y va. Je dois laisser le vestiaire propre. Je dois laisser le vestiaire propre ou je ne dois pas laisser le vestiaire propre? On s'applique, on s'écarte un peu. Voilà. Les suivants, c'est parti! Je dois laisser le vestiaire propre. Ou je ne dois pas laisser le vestiaire propre. Les suivants. Je dois être honnête ou je ne dois pas être honnête. Est-ce que je dois dire bonjour à mes coéquipiers en venant au terrain? Je dois dire bonjour ou je ne dois pas dire bonjour? On s'applique sur les passes. Les suivants. Ouais, super. 2 points. Les suivants. Je dois partir sans ranger le matériel ou je ne dois pas partir sans ranger le matériel? Est-ce que je dois partir sans ranger le matériel ou je ne dois pas partir? Suivant. Je dois arriver en retard à l'entraînement ou je ne dois pas arriver en retard à l'entraînement? Question importante.
Damien, allez, le ballon bien dans les pieds, on s'applique. Suivant. Je dois dire bonjour aux adversaires, je ne dois pas dire bonjour aux adversaires. Suivant. Je dois partir sans dire au revoir. Je ne dois pas partir sans dire au revoir. On vient de faire une séance du PEF. C'est dire quoi le mot PEF, vous savez ou pas? Le P, c'est Programme Éducatif Fédéral. Très bien. Donc on vient de faire sur le fair play. Qu'est-ce que pour vous le mot fair play? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? J'ai pas entendu. Donnez-moi des exemples pour bien. Oui, avoir un bon comportement. Essayez de parler un peu plus fort. J'avais pas entendu. Donc je vous ai donné des exemples de bons et de mauvais comportements. Et des fois, quand vous avez donné les réponses, ça m'a un peu surpris. Donc on va revoir ensemble. Je dois respecter mes parents ou je ne dois pas respecter mes parents? Pourquoi je dois respecter mes parents? Est-ce qu'il n'y a que mes parents que je dois respecter? Je dois respecter qui? Tout le monde. Très bien. Je dois être honnête ou je ne dois pas être honnête? Ça veut dire quoi être honnête? Ne pas mentir, dis la vérité. Ou même tricher? Ou même tricher? Ouais. Faut pas tricher, ça c'est pas être honnête. Est-ce que je dois partir sans dire au revoir ou je dois partir en disant au revoir? Je dois partir en disant au revoir. On dit au revoir avec qui au terrain? Au coach. Et après c'est tout? Je dois me battre avec les adversaires ou je ne dois pas me battre avec les adversaires? Ok. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire à la fin du match au lieu de se battre avec ses adversaires? Serrer la main et les féliciter ou les encourager à continuer. Quand je suis au terrain, est-ce que je dois critiquer mon éducateur, le président, les dirigeants? Pourquoi? Ils viennent pour qui ces éducateurs, ces dirigeants, ces présidents? Pour nous. Pour vous quoi faire? Pour nous éduquer. Je vous éduquer, surtout pour vous apprendre à quoi? À jouer au foot. À jouer au foot. Et le foot, c'est quoi pour vous? C'est un sport. C'est un sport, c'est une passion, c'est un loisir? Une passion. C'est une passion. Il faut savoir qu'ils ne sont pas payés. Hein. On n'est pas payés. Mais si vous voulez, on peut cotiser. Qui est motivé pour cotiser, pour me payer? Bon, je serai absent demain. Je fais grève. Qui t'a dit que demain on n'avait pas entraînement? Est-ce que je dois arriver en retard à l'entraînement? Ou je ne dois pas? A l'inverse, je dois arriver comment à l'entraînement? À l'heure. À l'heure? À l'heure en tenue. C'est-à-dire que si j'arrive juste à l'heure, je dois être en tenue. Si je ne suis pas en tenue, je dois arriver avant l'heure. Avant l'heure, c'est-à-dire en avance. Le vestiaire, comment je dois le laisser? Je dois le laisser propre ou pas propre? Propre. Vous avez beaucoup de chance. Hein. À Mayotte, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont un vestiaire avec un toilette. Une toilette. On reviendra là-dessus après. Parce que vous vous moquez de moi. On reviendra là-dessus après. Une personne en difficulté, est-ce que je dois l'aider ou pas? Je dois l'aider. Pourquoi je dois l'aider? Parce que c'est bien. C'est bien? Imaginez, ça serait vous qui serez en difficulté. Qu'est-ce que vous aimeriez bien? On voudra demain. Bon, dans l'ensemble, est-ce que vous pensez que ça a été plutôt... Vous avez trouvé plutôt les bonnes réponses ou vous avez rencontré des difficultés? On a rencontré. Vous avez trouvé les bonnes réponses. En match et à l'entraînement, vous avez des bons ou des mauvais comportements, vous pensez en général? Les deux. Les deux? Citez-moi lesquels les mauvais que vous avez. Il y a deux personnes. Les mauvais, on tape, on râle.
Des fois, vous râlez, donc ça, c'est un mauvais comportement. Il y en a d'autres ? Non. Ah, il y a quand même le... Vous venez pas tout le temps à l'heure. Hein. L'heure, c'est pas tout le temps parfait pour certaines. Hein. Je sais, Shaina, c'est de la faute à maman. C'est ça ? C'est ça ou pas ? Aujourd'hui, t'es venu à pied, t'es honnête au moins. C'est bien. Donc, pour aujourd'hui, la séance du programme éducatif, elle est terminée. Mais j'ai oublié de vous poser une question. Est-ce que je dois ramasser le matériel à la fin de la séance ? Je pense que c'est un message. Ah, donc, je vous ai un petit message pour conclure. Allez, c'est parti. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. Hein.